troisième année de suite et puis cinquième participation. Ben c'est marrant, l'autre fois j'avais fait un rêve et puis j'étais dans la discussion avec un copain et puis il me posait exactement la même question de savoir pourquoi je revenais encore une fois de plus sur l'UTMB. Puis je lui ai répondu instinctivement que dans l'année il y avait Noël, le nouvel an, mon anniversaire et l'UTMB. Donc ça résume bien l'affaire, c'est que l'UTMB c'est pour moi comme si c'était la fête quoi, de participer à l'événement et puis de profiter des sentiers et d'essayer d'avoir un maximum de sensations et de plaisir et d'essayer de profiter de tout ça, de toute l'atmosphère qui est autour de l'événement. Et bah voilà, on va essayer de faire comme chaque année du mieux possible en ayant dans la boucle le plus rapidement possible. Et après on verra ce que ça donne. Automatiquement la saison a été belle, le Japon, Chamonix déjà, tout le monde pense à cette quatrième couronne qui peut-être toi aussi ou pas du tout? Bah forcément, à force de discuter, de voir un peu des gens à droite à gauche, on m'évoque souvent cette quatrième victoire là. Après moi je sais pertinemment au fond de moi-même, dans mes tripes, que je viens là avant tout pour faire la boucle le plus rapidement possible. Et ça, la notion du résultat, bah, si je fais bien les choses, peut-être que ça se passera bien, mais je viens pas dans cette optique-là, quoi. C'est loin de mes pensées, et puis je ferai du mieux possible, parce que je sais que de partir trop dans la confrontation et en ayant cette notion-là de résultat, de quatrième victoire, je sais que ça marchera pas. Donc il faut que je me sorte de ça et puis que je fasse comme d'habitude et de baigner dans cet univers-là, de la compète. Et puis on sent qu'il y a de l'enjeu, il y a une certaine pression des partenaires. Et ben derrière, on a tendance vite à s'oublier et il faut quand même bien revenir sur soi et se dire bon ben voilà, si avant tout je suis sur ta ligne de départ vendredi, c'est pour faire la boucle le plus rapidement possible et en prendre plein les yeux une nouvelle fois, et ça sera une nouvelle fête encore. Et après, peu importe la place, peu importe le résultat, l'important, ce sera de franchir la ligne d'arrivée et d'être satisfait. Voilà.